Shall we begin? De 3 ans, j'ai eu un petit arrêt à cause d'un problème au genou, puis j'ai repris vers 5-6 ans. Et pourquoi? Cette famille, mon père est originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, et une grosse culture hockey sur ce petit bout d'île qui est près du Canada. Et du coup, naturellement, mon frère et moi, on a fait du hockey dès notre plus jeune âge à Caen. Le côté, c'est vrai, le côté la glisse, le côté rapidité du jeu, et puis c'est un sport, je trouve, qui est assez complet, où même dès tout petit on partage certaines valeurs autour du hockey qui m'ont plu. Ce côté on joue entre potes, surtout il n'y avait pas de voilà, même avec les différences de niveau, on était tous vraiment, on allait tous dans le même sens, et j'aimais ça, enfin c'était les valeurs que le sport dégageait. Je me sentais bien au sein des différentes équipes duquel j'ai joué, donc c'est ça qui m'a plu, et aujourd'hui ça continue à être vrai, parce que pour l'instant dans chaque équipe où je suis, que ce soit à Bordeaux cette année ou en équipe de France, je retrouve encore les valeurs que j'avais quand j'étais tout petit, et j'ai toujours autant de plaisir. Pas vraiment, peut-être que je me rappelle avoir eu les chaussures lumineuses de Gretzky la classique, mais non, pas vraiment. Après, mes héros se limitaient souvent. J'ai grandi à Caen et j'ai été formé à Caen, donc aux joueurs de Caen. Je me souviens à l'époque, c'était Pekka Lemus, l'attaquant de Caen, qui faisait rêver les petits. Et voilà. Et à mon départ de Caen, je pense, parce que en étant à Caen, j'avais fait toutes mes années de formation là-bas, j'avais grandi là-bas. Et en étant à Caen, j'étais bien, je jouais avec mes potes, je projetais de me faire plaisir au hockey à Caen, et quand l'offre de Rouen s'est présentée, j'ai dit je vais tenter ma chance, je ne me posais pas trop de questions, et c'est à partir de là, les premières sélections en équipe de France senior, que je me suis dit que c'était une belle opportunité pour moi, et je m'y suis concentré un peu plus, et voilà, je pense que ça a été là le déclic, mon passage de Caen à Rouen. Performer au niveau déjà avec Bordeaux, je suis bien là-bas, donc essayer de construire avec le club de Bordeaux, faire que le club de Bordeaux vienne un gros club de Ligue Magnus. Le président, le manager, c'est leur objectif et nous en donne les moyens, donc j'aimerais bien vraiment à terme que le club de Bordeaux évolue dans ce sens-là. Pour l'équipe de France, c'est au fil des années, de toute façon c'est toujours essayer de conserver ma place au sein de l'équipe de France, parce qu'on vit vraiment de belles expériences, et forcément faire partie du groupe pour les championnats du monde à Paris, parce que c'est quand même un événement assez rare pour nous, je pense que ça va être quelque chose de grand. Moi où j'avais du mal à un moment, c'est accepter l'échec, je pense, accepter les erreurs, accepter... De performer en ayant des échecs. Au début, j'avais beaucoup de mal dès que je pouvais faire une erreur et que ça pouvait entraîner un but pour mon équipe. Ça pouvait me tuer ou me plomber un match. Et je pense que le plus gros travail, c'est dans la tête, quoi. Parce que après, je pense que les qualités, on les a en étant jeune. On a des facilités où on les travaille et puis derrière, on évolue. Mais le plus gros travail, c'est dans la tête, quoi. C'est réussir à accepter des remarques, à accepter des échecs. Et puis à partir de là, à travailler avec et à évoluer, parce que si on n'est pas capable de subir cette pression ou ces échecs, ça peut être nocif et nous emmener vers le bas. Alors au contraire, je pense que j'ai compris bien assez tôt qu'il fallait que ça nous aide à aller vers le haut. C'est assez incroyable. Je l'ai connu un peu en étant jeune, et c'était déjà quelque chose de grand pour nous de faire partie des meilleurs de notre génération, mais... Une fois qu'on arrive au niveau senior, c'est vraiment plusieurs générations qui se mélangent, et c'est vraiment un honneur de représenter la France à chaque fois pour ces compètes. Et on s'en rend vraiment compte lors surtout des hymnes nationaux, où on se dit waouh, on représente quelque chose de fort. Et
Et c'est à chaque fois c'est un plaisir et c'est davantage un plaisir comme je le disais tout à l'heure où on a vraiment un groupe qui vit super bien et venir jouer pour l'équipe de France c'est quelque chose de grand mais c'est encore mieux parce qu'on a un groupe qui vit super bien et on connaît des bons matchs, des belles performances et des fois des échecs mais ce groupe-là vit bien et c'est ça qui fait qu'à chaque fois on a envie de revenir parce qu'on a envie de vivre ces expériences-là avec ce groupe. Ouais, bah, je pense que c'est les valeurs qu'essaie de nous transmettre Dave depuis qu'il est là, des valeurs de travail, d'acharnement, détermination, ne jamais rien lâcher. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont plus de qualité que d'autres, mais à chaque fois on se rallie toujours à ces valeurs-là, justement, le travail, la détermination, pour justement, bah, c'est ça qui fait qu'on accroche les autres équipes. Ce que je disais récemment, c'est que je pense que souvent pour les gros, ils nous voient un peu comme des fois comme des poisons parce qu'on est capable de faire des bonnes perfs contre les grosses équipes et on lâche jamais rien. On l'a encore vu récemment contre les Finlandais, on perdait 3-0, là il y a un 3-1 et puis on n'a rien lâché jusqu'au bout. On aurait pu espérer inverser la situation et je pense que nos valeurs aujourd'hui c'est ça. Et il y a aussi des valeurs d'amitié parce qu'au-delà d'être des partenaires d'équipe, on est avant tout aussi on est devenus des amis et puis au fil de l'année, on garde quand même des relations, on prend des nouvelles de chacun et c'est ça qui fait la force de notre groupe. Bah, ce qui est dingue, c'est aussi bah, déjà que nous, quand on va faire des championnats du monde, c'est un événement de fou pour nous parce qu'on côtoie les meilleurs joueurs et tout, mais là c'est plus aussi le fait de le partager en France avec nos proches qui vont venir parce qu'ils n'ont pas toujours l'occasion d'aller nous voir à l'étranger, puis de le partager avec bah, finalement notre pays, la France, montrer que bah, ce qu'on vit, nous, c'est incroyable et on a envie de le partager on a envie de le partager à Paris. Et ça, c'est plus le partage finalement que. Parce que l'événement finalement, il est bien cadré, donc il va ressembler un peu aux autres championnats du monde sur la forme, mais c'est plus l'idée de partage et de montrer vraiment bah, on est chez nous, on est en France, venez nous soutenir. Et puis forcément d'avoir une patinoire derrière nous à nous soutenir, j'espère que ça va aider à nous transcender et à faire une performance au moins similaire au quart de finale qu'on a connu il y a 2 ans, voire mieux, voire plus. Ouais, je pense que c'est hyper important. Je me souviens d'un match qu'on avait fait contre le Canada il y a 2 ou 3 ans maintenant à Bercy. Et les échos qu'on avait eus, c'était oh, c'est dingue ici en France, c'est le feu, on se croirait à un concert de rock pendant un match et tout. Et c'est vrai que ça nous aide à nous transcender parce qu'on sent tout le monde derrière nous. Et enfin, ça procure des émotions. C'est difficile à expliquer finalement. Je pense qu'il faut le vivre pour comprendre ce que c'est. Mais un public déchaîné derrière vous, ça vous pousse à faire des choses des fois. Et c'est assez dingue, quoi. Donc on le connaît d'une façon un peu moins importante dans nos clubs où on a dans les grosses patinoires. Moi, j'ai connu Rouen et notamment Bordeaux, un public de folie. Et c'est sûr que ça aide dans les performances. Et ça, c'est vrai dans tous les sports. Donc c'est sûr que les supporters ont joué leur rôle et sur notre performance, ça, c'est sûr. Bah, je sais pas, c'est vrai que je ne savais pas trop à quoi m'attendre et c'est moi je pense que c'est une bonne chose, je trouve ça assez cool. C'est assez représentatif finalement de nos valeurs et de ce qu'on est. C'est les petits Français qui essaient de se battre contre les meilleures nations et je trouve ça cool. C'est représentatif de ce que nous on est et je trouve ça bien. Rendez-vous à Paris, ensemble pour 2017.